Une fois votre initiation terminée, la confrérie vous a révélé ses objectifs à long terme. Des fragments d'informations datant d'avant la Grande Guerre laissent à penser que les anciens avaient passé de nombreuses années à construire des abris pour les survivants. Des données recueillies récemment ont permis de confirmer l'existence de ce super-abri. Ce noyau du réseau d'abris fut construit afin d'accueillir les plus grands esprits de l'époque et devait servir de fer de lance à la civilisation post-nucléaire. Si la confrérie pouvait trouver cet abri et activer ses systèmes, elle aurait accès à des ressources technologiques fantastiques, mais aussi aux anciens en personne. Mais le voyage vers la position estimée de l'abri zéro s'annonçait périlleux. Une vaste armée et une multitude d'opérations complexes seraient nécessaires pour entreprendre une mission de cette amplitude. Le plan consiste à suivre la rivière grondante vers le sud en forgeant des alliances, en engageant de nouvelles recrues et, si nécessaire, en éliminant toute opposition. Des bunkers devront être établis dans chaque nouvelle région afin de sécuriser les zones d'opération. Lorsque la confrérie règnera de manière incontestée dans la région et que ses rangs seront renforcés par de nouvelles recrues, la véritable campagne pourra commencer, tout comme le retour vers les montagnes. Repos, initié. Comme vous le savez, la confrérie a commencé son expansion vers le sud. Cependant, nos lignes de ravitaillement sont fragiles et donc prises pour cible par toutes sortes de bandits et de pillards. Nous avons reçu un... Repos, guerrier. Je m'appelle Caligari. Je suis l'intendant de cette région. Vous pouvez vous détendre quand vous êtes avec moi. Les grades n'ont pas d'importance dans mon empire.